Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Deux jours avant code pénal débouche là entrer en application en Haïti. Nous te prenons responsabilité nous. En 2007, pour nous travailler avec le Palais national sur le projet constitutionnel. Nous avons pris un engagement en 2007 pour nous avoir produit de travail sous code pénal. Ça, que l'exécutif là, c'est vous et moi, lorsque le sénateur président de la commission de justice, que nous allons remettre le rapport qui nous a été fait sur ça. Et travail final là, mais ça veut dire. Pour nous dire qui ça. Code pénal, c'est un instrument qui est à la fois criminologique, sociologique, juridique, anthropologique, médical et même économique. Le code pénal. Nous voyons pile de monde qui a parlé de lui. Il n'y a pas de code pénal là d'importance parce qu'on ne connaît pas si c'est le code pénal là qui régit la société. Ça fait nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous dire ce qui est bon là dans le bravo, n'a pas et ce qui n'est pas bon, nous avons changé. Il faut qu'on peut nous dire non, nous ne pouvons pas parler, il faut que le code soit corrigé, il faut que nous retirions pas trace le code là pour nous rendre le code là en code haïtien qui permet de petit moins. Petit monde ça y a qui dans la diaspora, qui veut venir à n'importe quel moment retourner dans le pays, pour songer, petit toi venir dans Haïti que vous connaissez, Haïti que vous aimez, Haïti que vous-même contribuez pour lui. Code pénal ça prévoit, mes chers amis, formation dans l'article 1038. L'idée faut qu'il y ait une structure d'exécution de code là, qui peut là. Il dit l'envolé, on va obliger d'être en prison. Mais il faut que vous mettez sous bracelet électronique. Nous n'avons pas de bracelet, nous n'avons pas de courant. Pour bracelet, vous avez fonctionné. Donc, si vous avez une folie pour penser que vous êtes capable d'appliquer ce code-là. Le code de procédure pénale à code pénal, il dit, il parle de procureur général qui a remplacé commissaire du gouvernement, procureur de la République et substitut. Pas de texte de loi qui parle de. Procureur général, procureur de la République, ni substitut. Donc, loi d'accompagnement n'est pas prend. Dans le code pénal, il faut application. Faut que nous réorganisions le système greffe. Pas grand, il est fait au contraire de l'autre en bas. C'est casser, casser greffe-là. Dans le code pénal, ça dit en vraiment en application. Faut que nous réorganisions le système de pénitentiaire nous et qui garde une période de probation. Ça, il faut qu'on applique. Il faut qu'on ait un texte de loi qui prend pour lui. Comment on devrait l'appliquer pour le pénal là? Je conclue pour vous dire que le code pénal de 2020, publié à travers le moniteur, c'est une œuvre que ne pas qu'à jeter dans la poubelle. C'est une œuvre que nous devons quimper et pour nous travailler. Travailler pour nous permettre de répondre avec culture, avec mœurs, façon de vivre, peuple haïtien. C'est un code pénal qui parle de venir pour écraser la famille. Parce que nous qui société, nous aujourd'hui, parce que 10, 15 ans avant, il y a travail pour famille, il y a fait, que vous pas fait. Nous demandons à M. Dardy dans la commission que M. Ariel Henry Montéa pour prendre conscience et dit. Code pénal ça n'est pas applicable au 24 juin. Il y a prorogé des délais et on va aller les petits pays qui ont connaissance dans nous maintenant qui pour corriger le code pénal là pour nous dire un code pénal haïtien qui répond avec des idérateurs et attentes peuple haïtien. Déjà quelques années, il y a un taux d'insécurité qui sévit en Haïti. La police se montre dépassée étant donné la recrudescence de gangs armés. Puisque l'État n'est pas l'unique acteur de la sécurité d'un pays,
le Parti révolutionnaire kiskéen, PRQ, propose que la société civile s'organise pour la formation d'une direction nationale des brigades de vigilance. Cette direction devrait être une activité civilo-politique et bien structurée. Il serait de bon ton qu'une conférence nationale soit organisée pour la création d'une direction nationale des brigades de vigilance, à partir des différentes organisations de la société civile. Ainsi, le Parti révolutionnaire kiskéen suggère que les organisations qui sont d'accord avec l'idée donnent leur avis de participation et leur adhésion pour que le lieu et la date soient fixés pour la tenue de cette conférence, au cours de laquelle sera discutée en atelier de travail la formation de plusieurs unités de sous-direction telles que unité de financement, unité des ressources humaines, unité logistique, unité de commandement. Les membres de partis politiques, y compris le PRQ, qui participeront à cette conférence, le feront en tant que représentants d'une organisation de la société civile. Donc nous avons accusé réception de plusieurs institutions et associations dans le pays déjà. Donc nous avons accusé réception de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, Association médicale haïtienne, Association militaire d'Haïti, Force armée d'Haïti, Police nationale d'Haïti, Fédération des barreaux d'Haïti, Groupe Croissance SA, Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Rectorat de l'Université d'État d'Haïti, Conférence des recteurs et président d'Université haïtienne, l'Union nationale des normaliens et normaliennes d'Haïti. Donc, démarche et que nous avons fait là, il n'est pas autre que c'est encourager force vive pays dans un élan patriotique qui est capable d'unir tête dans un intérêt commun et général. Pour nous capables de joindre une façon, pour nous capables de résoudre le phénomène d'insécurité. Et l'État, son structure qui est debout, et ces sociétés qui rendent l'État debout. Donc, à partir de qui ça? À partir de institutions qui viennent dans le pays et à partir de lois, toute loi que société a, lui-même, lui instaure. Mais loi, mais là, c'est constitution que nous toutes votons par référendum. Et pour faire observer et que pour protéger loi Merla, nous mettons des élus en place pour capable observer et respecter, d'ailleurs c'est ça, et sûrement, observer et respecter les constitutions. Donc là, nous avons actuellement dans le pays, là, nous n'avons pas d'élus du tout. Okay? Donc l'État n'a pas de chef là-dedans. Et le gouvernement que nous avons, son parti dans l'État, mais li de facto dans ce sens que li pa gen ken, parce que depuis président Moui, pa gen chef l'État, donc li la, de fait li là, mais ce n'est pas ken organisation, ce n'est pas société à qui te mette gouvernement ça. Et donc, gouvernement ça a dit nous que li pa capable d'assurer sécurité dans le pays. Et donc, au niveau national, il dit, et au niveau international, c'est ça, il dit tout dans tout discours, que c'est ça, il dit, que la sécurité n'a pas qu'à assurer, qu'elle n'est pas capable de faire. Donc, que c'est une question de volonté ou pas, nous ne sommes pas là pour nous opiner sur ça. Donc, nous-mêmes, hein, donc, c'est peut-être ça que, comme nous dit que, et que nous connaissons tout, tout le monde connaît que ce n'est pas l'État seulement qui, seul acteur, n'a fait la sécurité dans le pays. C'est peut-être ça, nous encourager toute force vive dans la société, pour être capable d'unir tête, pour être capable de créer, former. Débat positif parce que, bon, moi, ce que j'appelle le droit en puissance, c'est-à-dire que le droit, c'est un bail qui doit tout en cap évoluer, cap adapter en fonction de mutations sociétaires. Donc, il faut que tout un débat qui pour mener vers un nouveau droit, un droit qui est beaucoup plus amélioré. Il y a un droit qui est bon par rapport à un droit positif qu'il a. Donc c'est normal le débat. Mais le débat, il faut le fondement.
le débat, la chita sur des contre-vérités, sur des demi-vérités, c'est le sali négatif, c'est le sali contre-productif aux sociétés. Et moi-même, pense que le code pénal qui est publié en 2021, il faut sauver le code pénal. Non pas qu'à, pour moi, retourner comme si Mdado, pour nous apprendre le code pénal, ça, et puis pour nous dire que, par exemple, c'est dans le 51e législature que vous allez voter. D'abord, l'expérience faite pendant 2 ans, la législature encore n'a pas jamais voté. Et votre code pénal de 1036 articles, c'est pas pareil qui est facile. Dans le cadre de procédure parlementaire, procédure de débat, organisation séance, c'est bah, difficile. Et puis le code pénal a un ensemble de bagailles qui vont là-dedans. D'ailleurs, il y a des parties, c'est presque une reprise de s'acter dans le code pénal positif que n'a pas appliqué, que doit positif pénal qu'on n'a pas appliqué, je veux dire. Donc, pas aucune raison pour nous retourner sur eux. Après, le retourner sur eux pour non, l'autre occasion. Donc, on peut conserver ça qui est bon dans le code pénal, mais comme nous connaissons des irritants, que fondés ou que pas fondés, bon, nous ne pouvons pas chita, je veux dire, discuter de fondement ou de non-fondement, moi, je pense qu'on peut tenir compte des irritants, que ce soit un monde qui a parlé de moralité, et, bon, entre parenthèses, que ce soit un monde qui a parlé de problèmes, de menaces à la jeunesse, à l'enfance, problèmes d'amnistie, danger, etc. On peut prendre compte des gens qui parlent de problèmes technologiques, par exemple les questions de bracelet électronique ou bonne question, et qui te demandé que ça fait le gouvernement te prend 2 ans, c'est pour te permettre société en guettant, forcé de travail, pour te payer après pour appliquer le code pénal. Là. Malheureusement, depuis avant même assassinat président Jovenel et après assassinat, pas vraiment grand chose qui fait pour te conduire nous vers au terrain d'application du code pénal. Là. Je dis à la justice. En otage de la violence et des gangs. Donc, nous pensons que il y a deux bagages qu'un café d'ici 48 heures. C'est ou bien quand en pile monde souhaitait que simplement différer l'application du code pénal là. Alors, bon, il y a des gens qui critiquent le code pénal là, mais qui pas d'accord que c'est décret que vous rejetez, non? Mais qui parlait surtout de différer l'application. Bon, ça, c'est le premier, m'a dit, bagage que vous avez fait. Mais moi-même, ça m'a recommandé moi-même, m'a recommandé que dans 48 heures, que l'autorité dans l'État qui a un pouvoir pour ça, que yo lancé, m'a dit que mettez le code pénal en application. Que mettez le code pénal en application, mais en mettant en veilleuse, toute disposition qui est irritant, yo, tout ça que moun a reproché, a dit qu'il y a une confusion, pourquoi, etc. Bah, ça, yo, que yo kabete toute disposition, ça, tout article ça, yo, en veilleuse. Moi, t'es qu'on l'a ça été fait dans l'histoire, pas trop récente, non. Il y a peut-être 20 ou 25, bon, peut-être, pas songer, peut-être une trentaine d'années, ça a été fait, ou le, afin de te mettre en veilleuse, c'est l'anticonstitution, c'est bah, ça. Donc, yo capable de mettre en veilleuse certains articles du code. Ça pourquoi pas appliquer en attendant le nouveau parlement, c'est-à-dire le parlement vini, le 51e non vini, il n'a pas besoin pour le chita sous 1036 articles pour le perdre 2 ans, 3 ans pour 1036 articles. Mais même les parlementaires ont une bonne volonté procédure parlementaire, si c'est Jean-Louis là, Gounia, le parlement prend 3 ans avant le vote au texte, il va prendre 2 ans, 3 ans avant le vote au texte de 1036 articles. Moi, je parle en connaissance de cause. Donc, nous sommes capables de mettre en veilleuse tout irritant, yo, tout ça qui bat les problèmes. Yo. Et puis, nous sommes condamnés à l'application. Mais que moi, c'est des articles qui. On prend comme si articles qui bat les problèmes. Yo. Et puis, maintenant, le Parlement, la 51e législature, l'a béni seulement, l'a point au texte qui modifie différents articles. Yo. Bon, il y a un cas éliminé, si vous trouvez le nécessaire pour éliminer honnête. Il y a un cas reformulé. Comme si le texte était une confusion. Quand le monde a parlé d'orientation sexuelle, il a parlé aussi de bail comme ça. Si il y a une confusion là-dedans, le Parlement, 51e législature, il doit venir. Le député sénateur, il doit venir. Il a reformulé, il a retiré, il a mis plus de clarté, plus de précision dans le texte. Et puis, comme ça, nous n'avons pas besoin de marquer pas en place. Parce que le pays a perdu un peu de temps. Et c'est une bonne chose, nous avons perdu du temps. Aïssa tout qu'on dit là, toi, comme si l'élection vient pour le faire, ou elle vire école. Là, on a été l'élection pour le faire à l'heure.
gen corona, virus, République Dominicaine fait élection. États-Unis fait élection. Tout pays qui est fait élection, quelle est la crise, guerre ou mal, épidémie, bagaille, tout candidat qui fait élection, fait élection. Mais c'est un prétexte. Quand nous tout monde pour nous virer, nous parce que nous avons temps, nous estimons que nous avons assez de temps. On prend nous trois perdre du temps parce que nous avons temps. Donc quand je dis que nous pensons, et nous avons de l'argent, hein, parce que texte a eu travail et tout, dans pile l'argent dépensé. Parce que depuis sous les commissions de M. Magloire, etc., ce n'est pas deux, trois commissions qui étaient créées pour travailler sur le code zéro. Avant de venir aboutir dans le Parlement sur ce texte. Là. Donc, que nous perdions l'argent, ça va intéresser nous. Que nous perdions du temps, ça va intéresser nous, parce que nous devons perdre dilatoire. Vous comprenez? Donc, je pense que alors, ma recommandation serait que vous mettez le code en application, mais vous prenez. Trois jours de réussite pour moi. Parce que lundi, tout le bagage passé correct. Hier, c'était parfait. Nous étions là, Téléguiné était là. Jeudi, encore, et matin, là, tout le bagage en forme. Nous avons examiné à l'heure. Et conditions sécuritaires réunies. Pas tellement de. Bon, pas de dans la zone panou là, dans la zone lycée. Hein, puisque les policiers ont environné la zone là. Donc, bon, ambiance temps, si on s'est composé, on vient composer, chance pour nous. C'est des enfants qui viennent composer. Donc c'est pas tout le monde qui vient troubler centre là vraiment. Ils ont motivé pour travailler, ils viennent faire. Donc le ministère en jeu partition par l'examen à l'heure. Donc ça c'est toutes conditions réunies pour que l'examen soit fait. L'examen a déroulé bien, grâce à Dieu. Si mon note est composé dans mathématiques matin. Hein? Et puis maintenant là, il fait espagnol. Donc pour que nous mettions fin à l'examen. Puis qu'on contre nous censé rencontrer dans le lycée des jeunes filles, c'est à gérer question si mon cap sorti loin, surtout si mon cap sorti carrefour, et puis question blocus, parents qui viennent déposer si mon qui a un problème gaz. C'est seulement ça, question. Non, question téléphone n'est pas tellement de problème parce que nous motivons si mon dans la question Saint-Lan, dans Saint-Lan, si mon n'est pas vraiment bon problème avec question téléphone. Donc si mon qui rentre avec téléphone dans la salle d'examen, yo, Timon a dit clairement, parents ordonné, il faut que les téléphones dans ma ligne, nous ramasser le téléphone, peut-être les Timon a fini composé, nous remettre Timon le téléphone pour les parents viennent chercher. Donc nous sommes obligés de tenir compte de questions. C'est un fait qui passe dans le centre d'examen avant même que le centre d'examen ait commencé. Donc, responsable pour rien, nous ne connaissons pas question ça. Donc, c'est un bagage qui passe sur la cour avant même que le centre d'examen ait commencé. Donc, donc, madame nan li introuit, li fait une intrusion sur la cour là. Li dit timoun yo que ou connaît ça qui passé. Gen timoun nan li rentré dans salle alchita avant même que l'examen ait commencé. D'accord? Donc li pote ko li était dans environ 8h, examen a commencé à 9h. Donc timoun qui rentré dans salle yo, qui chita dans salle yo avant même que centre d'examen a commencé. Hein? Madame nan rentré dans la cour l'école là, li dit timoun yo dans salle li dit timoun yo que li passé ramasser téléphone, ils sont surveillants dans le centre d'examen, ils passent ramasser téléphone. Donc c'est un bagage qui passe dans le centre d'examen, mais qui pas. Bon, ça c'est qui pas rien à voir avec l'organisation d'examen. L'État pour rien, même responsable centre pour rien. Parce que nous-mêmes, attendez, nous-mêmes là, nous venons là. Donc seul bagage qui est c'est examen, nous venons recevoir surveillants, recevoir superviseurs. Recevoir examen, repartir, et puis pour rentrer dans la salle et recevoir élève. C'est comme ça, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons recevoir élève dans la salle. Je connais longtemps, l'aimé Timoun, papa, maman, tu as planté cacao, et tu as récolté dans le mois d'août et le mois de septembre pour payer l'école pour nous. Mais malgré tout, nous avons trouvé que la balade tellement en pile, bon cacao et le cacao rate. C'est les rats la passe sur le cacao, les manger, les graines de cacao, les gens ne peuvent pas ramasser. C'est qui qui a les ramasser qui fait ce qu'on ne pas pour aller les affaires. Mais quand il y a pas tellement difficile, même si on ne va pas gagner encore. Mathieu passé, ça l'a tout bagaille. Maintenant, quand il y a ces chances pour nous, et pour que nous joignions des partenaires de ONG, et en particulier Caléos, qui pensaient avec ONG, CRS, à toute l'autre, après Mathieu qui te mettait en branle, que regardez comment il était revitalisé, remettre cacao à sous pied encore pas ici pour nous. Et nous disons merci pour ça. Nous disons un gros merci parce que si c'est pas Dieu, avec propre moyen par nous, moyen que moi que nous avons gagné, nous ne pouvons pas arriver journée aujourd'hui pour que le cacao n'est pas arrivé dans le niveau ça. Caléros,
OIT, nous disons bienvenue en zone. Et nous-mêmes en tant que magistrats, l'enlève nous monter ici, l'enlève nous mener pour que c'est devant bagages que nous mettons nous. Malgré toutes difficultés, nous arrivons aujourd'hui à la qualité de travail qui est réalisé là. Et ça a été fait avec collaboration, surtout la population bon ici. Même coopérative, qui était en ouais que le travail ça a bien fait ça, le projet ça a bien fait ça, c'est pour eux que l'a bien fait. Et je félicite parce que vous êtes arrivé à comprendre ça. Parce que vous parlez de ça souvent, non, côté population, qui toujours dit que les gens ont venu, c'est prêt, on vient prêt à aller. Mais le groupe ça, que moi là, je ne peux pas dire trop sous lit, mais l'activité ça qui fait là déjà, je me suis très optimiste parce que je suis sûr que la population n'est pas perdue. Et nous-mêmes en tant qu'autorité, nous, c'est rester tout près de nous pour nous voyager, garder le travail qu'on a fait là. Ça dit dans le papier, est-ce qu'effectivement ça n'est pas la réalité? Parce que la population fait une confiance, nous demandons pour nous voyager pour nous, on a voyagé, et si nous ne sommes pas là, on ne peut pas passer à projet ça, il y a une autre commune qui prend. Mais grâce à Dieu, nous là, la population là, l'autorité là, et bien, je vous dis, le projet ça, il va déraper. Mais, OIT, mettez les mains avec Kaleros. Kaleros a travaillé dans le cacao, où il a gardé le bagala, il a besoin d'augmenter le bagala, il est rentré, il est passé pour l'âme véritable. Et m'a dit nous, l'enjeu qui a venu, et avant de sauter là, si mon coopérative voulait vrai, montrer nous que sans ça pouvait là, son porte que l'ouvre pour la zone, il y a un autre produit qui a gaspillé là. Si avant là, nous avons des montagnes, nous avons des ananas qui ont payé très cher l'autre côté, nous avons goûté des ananas que Boïsi a fait, qui a gaspillé. Ces gens que Boïsi a produit, qui a gaspillé, je pense que c'est OIT, Kaleros ou bien l'autre partenaire, ils ont pile travail, ils ont pile recherche, ils vont regarder qui ça peut gagner dans la zone. Et là, tout le bagage, tous les produits, ça nous met en valeur, et on va être sûr et certain. Je pense qu'en Zeno, le bloc ça, il va développer. Et c'est ça que nous voulons en tant qu'autorité. Moi, je ne peux pas permettre que nous avancions avec lui, mais les partenaires qui viennent, il faut nous longer les bras avec eux. Depuis, nous avons de bonnes intentions. Nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas gommer avec des gens, et Jean-Michel Azoudi qui a fait nous filer la langue. Nous voulons ouais, que tout le bagage soit clair devant nous. Et le bagage, ça a tout. Nous connaissons que depuis qu'il travaille, c'est bon, ma bonne. Kaleros avec OIT, la vie chercher, nous-mêmes tout, nous apprenons ça nous pour nous prendre. Moi, René Marie-Mathidel, Picambo-Brun, agent suivi projet Profit qui est programme MISO, Mutuelle Solidarité en Zeno Les Diois. Nous profitons au cas de ça pour nous remercier OIT, KNFP, Kaleros, Placaga et l'autre cathédrale qui permet projet Profit qui pensait à 50% pour sa famille. Nous disons un gros merci et un gros bravo pour ça. Avec le projet Profit dans la zone, non, et spécialement Missoyo, nous pourrons faire développement au niveau économique et social. Dans notre tout bénéficiaire, nous disons merci et bon travail. Que mon Dieu bénisse. Généralement, ONG, organisation internationale avec organisation, avec entreprise privée, je connais évolué sur le même terrain, mais pas jamais collaborer ensemble. Et nous-mêmes, défi ça, nous devons lever, nous voulons faire un exemple de collaboration entre différents partenaires qui travaillent sur le terrain, que ce secteur privé, que ces organisations internationales, que ce des ONG, tant qu'au CRS. Ça, pour nous-mêmes, c'est un bagage qui est fondamental. Pour qui ça? C'est parce que bénéficiaires, c'est le même bénéficiaire que NAPSEVI, même si des fois il y a des objectifs différents. Vous comprenez? Parce que ONG, objectif développement, mais une organisation, une entreprise privée, tant que Kaleros, hein, c'est une entreprise que l'IE faut qu'il fait profit. Alors, on dit profit, ce n'est pas profit, non projet OIT, non, mais il faut qu'il fait profit. Donc, ça, c'est le premier bagage que je voulais souligner. Nous-mêmes, dans qui axe nous travaillons avec OIT, avec Kaleros, nous avons un projet Kabostan, c'est Kakao et Baye Bourade pour opportunité avec succès. Nous avons 9 axes que nous avons cités là, mais il y a 3 axes qui sont fondamentaux pour nous que nous voulons garder ensemble avec nous.
Et une première action, c'est renforcement de capacité avec formation, et qui est important pour nous, et coopérative avec producteurs qui n'ont qu'à l'éos, qui a produit cacao. Et bien, depuis le jardin, hein, jusqu'au niveau de transformation, nous-mêmes, nous gagnons formation que nous avons et puis renforcement de capacité. Par exemple, il y a 5 coopératives actuellement que Caléos a travaillé avec eux. Nous-mêmes, nous approchons eux pour nous voir dans quelle mesure nous sommes permettre de joindre une reconnaissance légale pour côté CNC. Et ça, c'est Lionel Joïc là. Je suis content puisque ça a été domaine balayé. Et j'ai l'immense honneur et le plaisir d'inaugurer cette toute nouvelle usine de fermentation de cacao qui vient en complément des activités de formation du projet Profi de l'OIT financé par le Royaume de Norvège. Avant toute chose, je voudrais que nous ayons une pensée pour deux personnes qui étaient là au début du projet, que malheureusement la Covid-19 a emporté. Il s'agit du sénateur Maxime Roumet, que je rencontrais lors de chacun de mes déplacements dans la Grandance, que ce soit à l'université du Noga ou chez lui autour d'un bon café pays. Et de Kim Siblaise, qui était le coordonnateur terrain du projet Profi pour l'OIT. Une grande pensée à ces deux magnifiques personnes. À l'occasion de cette grande journée, je tiens aussi à remercier sincèrement les autorités et l'administration haïtienne, la mairie et la DGI d'Ansdeno, son ancien maire, Georges Simon, et son maire actuel, Massiono Richard, et l'ensemble du personnel de la mairie d'Ansdeno, qui ont aidé à la réalisation de notre usine. Bien sûr, je n'oublie pas mes associés, Madame Nasser El Kadari, Monsieur Didier de Vremont et Monsieur Samson Zélé, sans qui tout ceci n'existerait pas. Également nos salariés cadres, Monsieur François Lomini, Monsieur Oli Friderson Jean-Baptiste, Monsieur Walsen Hippolyte, Monsieur Magloire Auristel et Madame Majorie Jules, qui sont chacun les maillons solides d'une chaîne de compétences irremplaçables. Mes associés et nos salariés se joignent à moi pour dire à quelqu'un qui a su mettre son énergie, sa vision, sa pugnacité en place tout en faisant bouger les lignes pour renforcer la filière de cacao de la Grandance. Un immense merci au plus haïtien des Belges, M. Fabrice Leclerc. Je voudrais remercier sincèrement notre partenaire CRS, représenté par M. Jean-Marc Vital et M. Ricardo Jaliton, qui nous accompagnent pour doter l'usine des équipements modernes nécessaires pour son bon fonctionnement. Je voudrais également remercier l'entreprise JE Construction et en particulier l'ingénieur Fernando Enela, qui a su, malgré les montagnes de difficultés, construire notre usine de fermentation pour finir malheureusement avec une douloureuse entorse à 24 heures de l'inauguration. Bon rétablissement, cher Fernando. Pour mémoire, depuis 10 ans, Caléos a exporté en Europe et en Amérique du Nord plus de 500 tonnes de fèves de cacao certifiées biologiques et équitables. Notez que c'était une grande première pour la Grandance. En effet, ce cacao donne un chocolat très apprécié qui contribue au rayonnement de la Grandance et d'Haïti dans les boutiques européennes. Voici l'exemple. Vous avez le drapeau d'Haïti qui trône dans les magasins du monde entier à travers ce chocolat qui est très apprécié. Le drapeau d'Haïti qu'on voit pour des bonnes choses, pas pour les mauvaises choses, mais pour des bonnes choses, du bon chocolat qui est très apprécié à travers le monde. Ce chocolat a fait le tour du monde, on le retrouve en Australie, on le retrouve partout dans le monde grâce à la Grandance, grâce à la production de la Grandance. Durant cette décennie, entre les prix d'achat aux producteurs, les salaires, les primes et les ristournes, Caléos a distribué dans la Grandance plus de 70 millions de gourdes et a créé plusieurs dizaines d'emplois pour le plus grand bien de la population en général et en particulier pour plus de 2000 familles de paysans qui ont pu vendre leur production à un prix équitable.
Le projet profit signifie projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Lorsque je suis venu la dernière fois en février 2021, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un peu plus d'un an plus tard, nous aurions à ce même endroit toutes ces installations modernes prêtes à fonctionner pour de longues années et prêtes à ajouter de la valeur à toutes les belles cabosses qui poussent dans la grandance, ce poumon vert d'Haïti. Et si nous sommes ici pour célébrer tout en puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Je vous demande une dernière fois de bien vouloir applaudir chaleureusement tous mes collègues et partenaires, la plupart présents ici. Ce centre de fermentation et ses activités connexes vont aussi créer de l'emploi en nombre non négligeable, comme Jacqueline Calix de Caléos vient de le signaler. À peu près une centaine d'emplois verts, décents et directs, répartis en différentes zones, mais aussi plusieurs dizaines d'emplois indirects de qualité en rapport avec toutes les activités dérivées du cacao. La grandance en avait bien besoin. Le premier obstacle au développement de cette filière agricole porteuse, identifiée lorsque nous avions préparé ce projet, était la faible proportion de cacao fermenté en Haïti. Seulement 5% du cacao haïtien est fermenté à ce jour sur 5000 tonnes produites par an. La création de ce grand centre de fermentation représente donc un grand pas dans la bonne direction, car il va permettre d'ajouter de la valeur aux produits de base afin de pouvoir créer de la richesse localement. Cette valeur ajoutée et les emplois créés grâce à la construction de ce centre vont permettre d'améliorer les revenus et les conditions de vie des quelques 1150 familles bénéficiaires directes du projet Profit. Pour cela toutefois, il faut que tous les maillons de la chaîne de valeur fonctionnent correctement et que chacun joue son rôle avec responsabilité et professionnalisme. En anglais, on dit « there's no free lunch ». Il faut que tout le monde amène sa contribution. Les producteurs doivent entretenir leurs champs et optimiser la quantité et la qualité des cabosses avec l'aide des services des FOSAG, ou autrement appelés fournisseurs de services agricoles, des coopératives et de la PLACAGA, plateforme de coopératives représentée par son président Dominique Beaubrun. Les mutuelles de placement et de crédit doivent fournir l'appui financier nécessaire grâce à la contribution notamment de notre partenaire KNFP, dignement représenté ici par M. Lionel Floristin, que je remercie également. Et Caléos et son centre de fermentation doivent permettre la production de cacao de qualité qui soit en mesure d'atteindre les meilleures rémunérations sur les marchés bio et équitables. Toi, je examen ça, tu es vraiment stressant. Mais nous étudier, même si nous avons un petit quand même, mais nous étudier, nous lire bagaille, nous comprendre, ça ne va pas comprendre, nous faire un dernier, juste pour faire, mais c'était vraiment, vraiment cool. Et c'est ça le fait que il y a des bagailles que nous étudier, qui pas exactement sorti dans l'examen, ou like, qui pas vraiment, ou que tu posé question à l'autre gens. Peut-être pas, comme pas on est qui étudie en pile, nous était vraiment, vraiment stressé, mais quoi mettez français bah, ça donc on dégage bien passé bah, dégage concernant deux monde qui rentre dans l'école sans autorisation yo, qui entré qui pensait que surveillance ou pas ou bien surveillant quelconque bon besoin téléphone et gain l'autre téléphone encore qui perd téléphone dans concernant deux surveillants et puis yo vini yo mandé yo dit bon ça est-ce qu'on gain téléphone sous ou nous dit oui bah ça ou. Gen dit non tout et puis yo dit a fouiller deux an ka ba aucun téléphone et puis just ba aucun bon téléphone un iPhone 10 un iPhone 6 un iPhone 7 un iPhone 11 Pro Max et puis gen problème dans $20 américains et puis bon valise et puis nous perd dit dans douche mais c'est interdit à bot mais pas oublier que situation pays a pas trop normal si que bon on appelle toi recevoir pour concernant des parents qui besoin compte comment avec ça va lui prendre tout de qui niveau y est tout.
quand on sort si tout à force que on est pays pas trop normal l'insécurité là dedans tout élève qui pas venir composer au monde qu'a voulu pour m'a encouragé m'a dit l'autre fois c'est examen pas dit que ça tout que Jean li a s'il puis mieux que ça bon m'espère que bien composé et m'a dit merci à l'état tout qui veut examen ça pour composer m'a dit bonne chance à tout monde qui devine composer et puis m'a dit bonne chance à vacances en tout. Seulement petit problème nous te gagné concernant examen yo, c'est parce que à cause des zones impraticables zone ça nous permet que nous venons en surcharge. Ça veut dire quantité de monde nous a de gagner plus parce que nous t'ai accepté par 13 salles des 33 élèves par salle mais venons quantité de monde nous venons voyer environ 73 monde de plus. Ça veut dire que quantité de salle nous a gagné nous gagner plus et quand c'était élève tout gain gain difficulté pas même gain fiche parce que zone nous sorti à soit pas gain tal prendre fiche ou bien quelques petits problèmes yo te gain tout vinn rendre ça te résoudre de bon première journée ça te fait parce que inspecteur était là ou te résoudre problème là nous t'ai accepté pour un outil ça yo dans cas spéciaux au nombre de 73 comme nous là. Ça veut dire tout le monde a été composé malgré Jean Saté, nous avons arrangé nous quand même, nous mettons parmi l'autre, nous faisons composer normalement et tout le bagage est bien. Il est très bien pour moi parce que c'est très facile parce que j'ai étudié. Il y a des gens qui sont entrés à téléphone, mais ils sont fous, ils sont prêts la main. Ces derniers jours, trois examens. Et deuxième jour, c'est mardi, nous avons fait trois examens. Et puis je dis à qui ces derniers jours, nous avons deux examens, qui sont examen mathématique et examen espagnol. Nous avons 8 salles. Chaque salle, nous avons 33, environ 264 élèves, 9e composés ici. Nous n'avons pas d'absent presque, nous n'avons pas d'absent. Tout profiter de l'occasion ça à tout pour me féliciter le directeur départemental France Étienne et Anéa qui pensait avec élèves, parce que moi, je voulais un goûter. Pour élèves, on me félicite pour le travail ça. Souhaitons que le travail ça continue parce que nous connaissons les problèmes qui gagnent dans le pays d'Haïti. Ça mange vivre dans le pays d'Haïti. Et manger ces vignons luxe dans le pays. Et pendant la période d'examen, nous avons directeur France. Vous on goûte quand même pour élèves. Ça fait bien si nous sommes contents. La fonction publique dont nous célébrons la journée en ce présent moment est considérée comme étant une grande école. Cette école, vous l'aurez compris, a comme adepte les fonctionnaires. À l'intérieur de celle-ci, des valeurs sont partagées en vue d'aboutir à la performance axée sur l'efficacité, l'efficience et la productivité. Ainsi, comme dans les écoles ordinaires, on intègre la fonction publique et on y reste pour y passer du temps, du bon temps. La classe est continuellement constituée par des fonctionnaires dont la force, la vigueur et l'assiduité se renouvellent de génération en génération. Réserver une journée aux fonctionnaires, c'est comme attribuer le bulletin d'honneur aux intrépides dans leurs tâches. C'est comme décorer les guerriers après la bataille gagnée. Une seule journée de célébration pour des citoyens qui ont passé leur jeunesse, leur âge adulte et pour certains leur blanche vieillesse à cette grande école qui transforme. Ainsi, ne devons-nous ménager aucun, vraiment aucun effort à soutenir par de l'encouragement le dévouement manifeste de nos fonctionnaires. Le bras pour faire fonctionner la grosse machine de l'administration n'est autre que les fonctionnaires. À ces fonctionnaires, l'on reconnaît la technicité, la routine et l'aisance pour atterrir dans des dossiers complexes. Le travail fourni par un fonctionnaire soucieux de son boulot vaut son pesant d'or. Dans un contexte où la fonction publique confronte à une concurrence rude du secteur privé des affaires et des organismes internationaux, il nous revient d'apprécier à sa juste valeur le choix ô combien judicieux de ceux et de celles qui ont décidé de mettre leurs compétences au profit des usagers du service public. La même considération tient pour les fonctionnaires qui, contre vents et marées, et en dépit de l'insécurité, continuent sans aucune forme de procès à parcourir des kilomètres
il y a des voies détournées et dangereuses à venir quotidiennement de leur poste de travail. Ici, au ministère du Tourisme, nous reconnaissons l'immensité de tels actes sans prix. Le thème qui nous est soumis cette année se porte sur une fonction publique rénovée au service des usagers. Il s'agit là d'un triple appel à comprendre sous l'angle de la rénovation du service et du service aux usagers. Rénover parce que la fonction publique doit marcher au diapason avec le temps high-tech d'aujourd'hui. Il faut dématérialiser certaines pratiques administratives qui le tiennent pour migrer vers le numérique et un nouveau savoir-faire. Toute société de droit est régie par des lois et le ministère ne peut pas se soustraire à cette exigence qui découle notamment de la Constitution, du décret portant organisation de l'administration publique et du décret portant révision du statut des agents de la fonction publique. Ces textes ont poussé le ministère à rédiger le règlement intérieur. C'est un document qui définit en quelque sorte les droits, les obligations et les devoirs de chaque agent de la fonction publique, de chaque personnel, de chaque individu du ministère. Ce document se veut être aussi un guide, une boussole pour permettre de créer la bonne conduite au sein du ministère. Créer une ambiance de vivre ensemble, que chacun puisse connaître leurs droits et leurs obligations. J'invite, en cette journée de la fonction publique, tous les agents du ministère à considérer ce document comme un document de référence, un livre de chevet tout au long de leur carrière au sein de ce ministère. C'est un document qui comporte 12 chapitres. Il y a une trentaine de pages dans ce document. Normalement, ce n'est pas un travail fini, car tout le monde le sait, dans toute œuvre humaine, il y a des imperfections. On va soumettre ce document à chaque directeur, chaque coordonnateur et chaque chef de service afin qu'ils puissent produire leurs remarques et leurs suggestions. La fonction publique regroupe l'ensemble des agents, comme je disais, qui occupent les emplois d'État, les collectivités territoriales et certains établissements publics hospitaliers. En ce qui nous concerne, au ministère du Tourisme, nous sommes au service de l'État haïtien pour veiller au bon fonctionnement et à l'avancement et à l'expansion de son tourisme. Notre mission est d'assurer les intérêts du pays sur le plan touristique et par ricochet le plan économique. Il est clair qu'une tête n'est rien sans son corps. L'institution du ministère du Tourisme d'Haïti en soi ne peut accomplir la mission qui lui est assignée sans les fonctionnaires qui s'activent à tous les niveaux pour faire marcher la machine à l'échelle locale autant qu'à l'échelle internationale. La fête de la fonction publique est l'occasion de célébrer, mettre en valeur et récompenser tous ces acteurs qui travaillent au quotidien dans divers départements. Sans l'aide particulière et l'expertise de chacun, nous n'aurions pas pu parvenir aux résultats obtenus ces dernières années. Aujourd'hui, je prends le temps de remercier en mon nom propre et celui du Premier ministre Ariel Henry que je représente, chaque employé qui pendant plus ou moins longtemps a mis son temps, son talent, sa bonne volonté au service du ministère du Tourisme en particulier et du pays de manière plus générale. Votre labeur, en des temps comme ceux que nous vivons, n'est pas passé inaperçu et vos efforts n'ont certainement pas été vains. Sachez que vous êtes grandement apprécié et qu'à quelques niveaux que vous opériez dans la grande machine institutionnelle. C'est également une occasion pour moi, spécialement, je reprends, de remercier tous ceux et celles qui m'ont épaulé durant ces dernières années. Et la rencontre d'aujourd'hui sera également un prétexte d'honorer ceux parmi vous qui se sont démarqués, bien que tout le monde s'est démarqué, mais au moins on n'a pas pu honorer tout le monde. Donc, se démarquer par leur long passage dans la boîte et par leur enchaînement au travail ou par leur présence remarquable et leur convivialité tout simplement. Vous avez semé et aujourd'hui, vous méritez vos lauriers. Continuons
à œuvrer dans le sens de la croissance, du renouvellement et de l'essor du tourisme haïtien de la face du monde. Et au nom d'une Haïti meilleure et de l'endemain plus beau.